tout le monde, c'est le Corps Bloc. On se retrouve pour un nouvel épisode de visite sur le flat public et sur une nouvelle résidence, un nouvel immeuble d'habitation que j'ai réalisé en live. 90%, voire même plus, en live. C'était celui-là, que vous voyez en face, qui est en bois clair de birch, ou planche de birch. Blanc quartz et gris, inspiré d'une façade, hein, comme souvent. Après complètement pimp sur pas mal de choses, mais surtout inspiré d'une façade. En fait, c'était cette façade là, où je voyais un petit truc en bois dépassé et voilà, bon, j'ai improvisé. Et la petite particularité de cet immeuble d'habitation, c'est qu'il y a 6 appartements déjà, 4 identiques et après 2 avec accès toit terrasse qui sont un peu différents du coup. Et je les ai fait aménager. Alors ils sont pas tous aménagés encore, mais je les ai fait aménager par des membres du flat public. Et voilà, c'est la petite particularité de ce bâtiment. Et c'est, je pense que c'est une chose que je referai. Parce que déjà, ça m'arrange, hein, clairement, parce que j'aime pas trop faire l'aménagement. Et puis, s'il y en a qui sont d'accord pour le faire, c'est que ça leur fait plaisir aussi. Il y en a qui aiment l'aménagement. Et oui, ça existe. Voilà, il y a des gens qui aiment l'aménagement. Il y en a sur le serveur qui aiment ça. Bref, on va passer en dessous. En fait, alors voilà, la particularité, c'est que le rez-de-chaussée, il n'y en a pas vraiment. En fait, c'est en mode pilotis, plan libre. Avec l'accès ici, par contre, où on cache l'escalier, normal. Mais après, on peut tourner tout autour. Il n'y a pas réellement de jardin non plus, hein, quelques arbres pour rigoler. Un petit peu de travail de détail. Mais c'est juste un passage, comme ça, où on... peut-être les gamins peuvent jouer au foot. Hein, même quand il pleut, ça fait préau. Ça peut être sympa. Ça change. Pourquoi pas. Donc il n'y a pas d'habitation. On peut peut-être mettre des voitures d'ailleurs. Hein. Pourquoi pas, on pourrait mettre des voitures en enfilade. Aussi, utilisez votre cerveau pour l'utilité de ce truc. Alors vous allez voir, on va visiter quelques apparts. Pas tous, parce que déjà ils sont pas tous aménagés. Alors en cours d'aménagement, de toute façon il y en a 5 sur 6. The Miller, Lieutenant 27, Boob 2000, qui est un des derniers arrivés. RZ... Et Halls, en fait c'est Molly et Mori qui a changé de nom, bravo. C'est eux qui sont dessus pour l'instant. Et donc lui il est complètement vide. The Mailer, il a commencé à aménager mais je crois qu'il a pas fini. Alors par exemple, lui il a commencé à faire une cuisine à gauche directement, au niveau de la terrasse. C'est quoi ce bruit que j'entends? C'est les wagonnets? Peut-être. Chocolat PQ œuf beurre, pas mal. Tu sens le mec qui manque quelques ingrédients pour faire un gros gâteau au chocolat et puis il prévoit le PQ au cas où il en ait vraiment trop mangé quoi. Non, c'est pas mal, hein. C'est intelligent. Oh là là, on met des marques sur les téléviseurs maintenant. C'est pas mal ça, le pin sur la cravate. Ouais, non, mais pourquoi pas. Hein. Alors les appartements sont pas grands, les 4 premiers sont pas grands parce qu'ils ont pas l'accès. Voilà, il a pas fini. Là, il y aura sa salle de bain. Non, non, il a pas fini. Non, la baie. Oui, la chambre là, je pense que ce sera la salle de bain là. Donc je vais passer à un autre. On va passer à l'étage suivant. Alors Boob, il s'est pas fait chier. Il a perdu énormément de place. Enfin quand je dis s'est pas fait chier, il l'a fait comme moi, il aime pas ménager je pense. Il a perdu énormément de place, peut-être volontairement, je ne sais pas. Ouais, je sais pas trop, j'ai l'impression qu'il a perdu de la place. Parce que finalement il n'y a pas de chambre. Il n'y a pas de salle de bain. C'est ça, il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de salle de bain. C'est spécial. Lieutenant. Oh, lieutenant, je pense qu'il a fini, oui. Je suis passé tout à l'heure. Petite cuisine. Avec le salon directement qui donne juste en face, d'accord, pourquoi pas. Je pense qu'on mange sur ce petit semblant de table, ou directement sur la table basse, hein, comme les petits appartements. Comme chez moi, hein, je mange sur ma table basse, ou sur mon bar. J'ai pas de salle à manger, faut pas déconner. Oui. Je suis pas The Fantasio 974. Hein. C'est pas la même chose. Ici, il y a. Alors, il a réussi quand même à faire un petit coin rangement, étagère, passage. Genre un canapé, là, je pense. Mm-hmm. Avec écran plat, réellement écran plat. Chambre. Grande chambre, hein, finalement. Quand il pense. Oui, elle est plutôt huge. Hein. Grande chambre. Et. Ah d'accord, nous avons la salle de bain avec la douche. Je pense qu'on pisse dans la douche, à moins que j'ai raté les chiottes quelque part. Je t'en veux pas, j'oublie tout le temps de faire les chiottes. Hein. On s'en fout.
Alors les terrasses balcons sont pas très très grandes, hein. C'est du 3, juste pour mettre une petite table, hein, comme il l'a fait. D'ailleurs, ça passe très bien. Ça passe très bien comment il l'a fait. Ça, c'est sûr. Boob, on l'a vu. Et là, nous arrivons aux deux derniers étages. Au dernier étage avec les deux derniers... Oh. Les deux derniers appartements. Alors, RZ, il a pas fini, donc on s'en fout. Et je vais vous montrer celui de Halls. Putain, Halls. Halls, c'est quand même plus dur à dire que Maury, mais bon. Puis on pouvait faire des blagues avec Maury. Au moins. Tiens, on va la faire chier. En plus, c'est une fille, sortez Balls. Tiens, on va l'appeler comme ça. Oh là là, je vais la troll. Et donc, nous avons directement des froids qui se tépaient sur moi. Salon. On arrive directement dans le salon avec la cuisine. Comme un peu dans un studio, les appartements sont pas grands, donc ça fait un peu cet esprit-là. La terrasse, bon, elle a mis une plante, hein, elle s'est dit pourquoi pas, on va faire pousser de la beuh. C'est quand même toujours bien d'avoir une terrasse pour ça. D'accord. Ah oui, alors donc du coup, là, l'escalier, parce qu'il y a accès toit terrasse, hein, la petite particularité des deux derniers appartements. Chambre, futon, posé. Bon, c'est une gonzesse, donc forcément, elle a un dressing, chaussures, hein, tout ça, blablabla. D'accord. Salle de bain, et hop, le petit chiotte comme ça, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a le chiotte, hein, ça c'est pas mal, GG Mori, hein. Enfin, Halls, oh mon dieu. Simple, très efficace, minimaliste un peu à la Mori quoi, enfin la Halls quoi, enfin comme elle aime bien faire, et donc du coup, accès terrasse, avec un petit jardin intérieur sous l'escalier. Avec le bois clair, ça va bien de toute façon. Ça fait les chalets un peu. Ouais, bon. Et donc, alors, l'appartement de RZ de l'autre côté et celui de Halls, ils ont chacun un grand toit terrasse. Alors, j'avais posé la tonnelle, moi, avec les feuilles. J'avais posé la tonnelle, après l'aménagement, ils l'ont fait comme ils veulent. Ils l'ont fait comme ils voulaient, plutôt. D'ailleurs, ici, c'était pas comme ça. Vous verrez de l'autre côté, RZ, il n'y a pas touché encore. Elle en a fait un petit jardin. Aquarium, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Après, avec un barbecue, des espèces détentes, bon, grand classique, un bar, un toit terrasse normal hein, pour faire la teuf et boire du champagne. Et je vous montre. Ah, bah si, RZ, il a commencé l'extérieur. Il s'est fait une petite pistoche, une mini. Oui, alors on va appeler ça peut-être un jacuzzi, hein, un jacoulol, vu la taille. Et donc la tonnelle, je vous ai dit, elle y était. Mais c'est pour vous montrer, en fait, ici j'avais fait un truc comme ça. Il n'y avait pas les plantes et il n'y avait pas les slabs noirs. Et alors lui, il en a fait peut-être le rangement pour les trucs d'eau, les jeux d'eau, je sais pas. Moi, je pensais que les gens allaient l'utiliser pour faire une petite cuisine extérieure. Mais c'est vrai qu'en stock aussi, c'est bien en rangement. Enfin bref, petite pièce comme ça à utiliser, un peu comme on veut. Sur ce, alors bâtiment relativement simple, qui fait très réel, je trouve. En tout cas... ce style-là, si dans le à Montpellier on en voit, mais dans le nouveau style, les nouvelles résidences souvent, on en voit comme ça en France dans ce style-là. Et la petite particularité hein, de la résidence, qui était sympa, c'était de le faire aménager, et c'est toujours en cours d'aménagement, par des membres du serveur. Il y a un truc que je sais pas si vous voulez montrer clairement, on est passé devant, c'est sur la cage d'escalier, complètement vitrée. C'est sympa. Je me rappelle en live, j'avais du mal à trouver une idée intéressante et le plus simple, des fois, c'est le mieux. Sur ce, nous en avons fini avec cet épisode de visite sur la résidence. Il y en aura d'autres, hein. Il y en a deux à côté, de toute façon, que j'ai encore à vous montrer. Sur des prochains épisodes. Bref, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, liker, me suivre sur Twitter si vous voulez être au courant de mes lives. Et si vous voulez intégrer le FAQ public, lisez la description. Tout est expliqué sur le comment du pourquoi pour postuler. Merci à tous. À la prochaine. Ciao.